outre-Atlantique. Les services secrets américains avouent leur implication dans les attentats du 11 septembre 2001. Vous soutenez l'art et la création artistique en général, ou vous limitez vos aumônes aux artistes qui font exactement ce que vous attendez d'eux? Tous ces coups de fil qu'il me faut passer, pourquoi dois-je écrire encore un dossier alors que mon rêve est de danser? Le Proche-Orient, les Juifs, les Arabes, les territoires occupés, la bande de Gaza, les bombes au phosphore, les roquettes, les attentats suicides. Yaïlo vivida, na messiame. Va noté vami, miando tonase. Eva bilaï. Chichwe muni ya mene kabito wa wose. Jo, famiro, famila. Akwe ya nyoni jubalo. Dame, plutôt, gigote, bouge, redis-toi, consolez-vous. Tu mords la poussière depuis un bon moment. Je devrais savoir qu'on s'en fout de ta pertinence. Britney Spears pète dans un salon de beauté d'Hollywood. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Démarche, histoire, création, programmation, budget, plan de financement, CV des principaux intervenants, coupure de presse, témoignages. Contact, annexes diverses, lettres de confirmation, contrat, etc. Signore e signori, questa sera volevo approfittare dell'occasione per spiegarvi una cosa molto 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 importante per noi italiani, vale a dire come fare un caffè napoletano di alto livello. Vediamo un po' quali sono le tappe. Il me faut ce putain de dossier avant 11h. Toi! Tu veux faire chorégraphe? Alors tu me ponds du texte. Capito? Du texte! J'en reviens. Les bénéfices des multinationales, les déficits publics, les bonus des cadres bancaires, la misère, les replis sécuritaires, les mines antipersonnelles, les dégâts collatéraux, les professions de foi, la mauvaise foi, les intégrismes, les cataclysmes. A quatre morceaux de papier, tel est le format de mon nouveau métier. A quatre, j'aime pas ce bureau. Les pieds arrachés, les entrailles fumantes, les cervelles embouillies, ça pète jusque dans vos assiettes. Non, s'il vous plaît, épargnez-moi ce discours, hein. Ou alors dites-moi, à qui est-ce que je n'ai pas assez léché le cul pour être obligée d'entendre ça encore après 15 ans de métier? Je ne sais pas. Bon, alors résumons-nous, Clara. Vous êtes une artiste autoproclamée.
Votre démarche est parfaitement hermétique et vous accueillez en moyenne une vingtaine de spectateurs par représentation. Alors, quel est votre secret, hein? Comment faites-vous pour être la chorégraphe la plus grassement subventionnée par les pouvoirs publics alors que vous n'avez pas de public? Ne réfléchis pas trop. Et danse. Écoutez, c'est lassant de devoir tout expliquer. La danse... Je disais, la danse contemporaine est autant question d'imposture que de posture. C'est bien connu. Ne soyons pas hypocrites, hein. Ce ne sont pas les chômeurs qui vont faire notre beurre. Hein? C'est vrai, le temps c'est de l'argent, non? Bon, c'est ça. Alors, n'oubliez jamais ça. Oui. Un spectateur qui paie la peau des fesses pour aller voir un spectacle est obligé d'en dire que du bien, hein? Sous peine de passer pour un crétin. Bien connu, ça. N'oubliez jamais ça. Oh là 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 là. Clara Van Plouk, je vous emmerde. Nous sommes arrivés au terme de ce blabla. Depuis les studios d'ADN Chanel, votre TV aseptisée, Bruce Nolan vous dit va pas couler. Mesdames et messieurs, ADN Dialect vous aime et vous souhaite une soirée d'enfer. Merci. Fort de l'actualité, choisi pour vous aujourd'hui par la rédaction d'ADN Chanel. Votre TV, Rouge Nolan vous dit bonsoir.